preuve de la création sur terre. L'espace. Un vide infini dont les secrets sont toujours inconnus à la science moderne. Un système formidable constitué de milliards de galaxies, d'étoiles, de planètes, de comètes, d'astéroïdes et de nuages de gaz et de poussière se déplaçant tous ensemble en parfaite harmonie. La Voie lactée. Un système gigantesque d'étoiles duquel fait partie notre système solaire. Le Soleil n'est que l'une des 500 milliards d'étoiles de notre galaxie. Nous allons, dans ce qui suit, explorer d'un bout à l'autre ce magnifique système. Notre voyage commencera par la planète la plus éloignée de notre Soleil, Pluton. Un monde de roches et d'un froid terrifiant. La température à sa surface avoisine les moins 238 degrés Celsius. Sous l'influence de ce froid glacial, même l'atmosphère mince de cette planète se transforme en un bloc de glace. Une masse morte de glace. Neptune. Une autre planète glaciale. La température à sa surface aborde les moins 218 degrés Celsius. L'atmosphère, constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane, est nocive à la vie. Le niveau élevé de méthane toxique donne à son atmosphère une couleur bleue. C'est un monde mortel, balayé par des tempêtes violentes qui se déplacent jusqu'à une vitesse atteignant les 2000 km/h. Uranus, une planète morte constituée en grande partie de roches et de glace. Faire le tour du Soleil lui prend 84 années terrestres. Son atmosphère, également constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane, est fatale à la vie. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète du système solaire. Elle est particulièrement célèbre par le système d'anneaux qui l'entoure. Ces anneaux sont constitués de gaz, de roches et de glace. La planète elle-même est composée de gaz, 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Sa densité est inférieure à celle de l'eau. Jupiter. La plus grande planète du système solaire. Une planète, elle aussi, gazeuse. Sa taille est 318 fois celle de la Terre.
Cette grande marque rouge est une tempête suffisamment grande pour contenir deux fois notre Terre. Elle ne contient pas de terre, juste un froid glacial, des tempêtes terribles qui durent des centaines d'années, et un champ magnétique qui nuirait à n'importe quelle forme de vie. Une planète effrayante. Io, le satellite de Jupiter, couvert de volcans. Il agit comme un générateur électrique en se déplaçant à travers le champ magnétique de Jupiter, développant 400 000 volts en travers de son diamètre. Son atmosphère est une mixture toxique avec de hauts niveaux de dioxyde de carbone. Sa surface est recouverte de cratères causés par des météores percutants et des vallées profondes sur des centaines de kilomètres. Un ballon de roche rouge, gouverné par des vents violents et des tempêtes de sable qui tourbillonnent des mois durant. Vénus. À la différence du froid glacial des autres planètes, Vénus est un four géant. La température à sa surface est suffisante pour fondre du plomb aux environs de 450 degrés Celsius. Son atmosphère lourde est constituée d'une couche épaisse de dioxyde de carbone. Sa pression atmosphérique est équivalente à celle trouvée sur notre planète à une profondeur marine d'un kilomètre. L'atmosphère de la planète Vénus est couverte de couches d'acide sulfurique épaisse de plusieurs kilomètres. La planète est par conséquent continuellement soumise à des pluies acides mortelles, si bien que rien ne peut y vivre. Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Elle tourne très lentement autour de son propre axe. Le jour et la nuit sont très longs. Une face de la planète est rouge incandescente et l'autre frémit d'un froid glacial. Un tel environnement est inéluctablement fatal à toute forme de vie. Comme ce voyage nous l'a montré, 8 des 9 planètes de notre système solaire et leurs 53 lunes sont incapables de supporter la vie. Elles sont soit mortes, soit elles forment une masse silencieuse de roches et de gaz. Cependant, une planète de ce système, la seule dont nous n'ayons pas encore parlé, est très différente des autres. Toutes ses caractéristiques, qu'il s'agisse de son atmosphère, de la constitution de sa surface, de sa température, en passant par les éléments qui la composent et jusqu'à la distance qui la sépare du Soleil, ont été rassemblées en parfaite harmonie pour porter la vie. Cette planète est notre Terre. À la différence de ses voisines dans le système solaire, la Terre est une planète pleine de vie, caractérisée